2 qu'elle se termine avec des larmes. Tentative de jouer ce ballon en finesse, mais là c'est complètement raté. J'imagine que c'était pas l'intention. Attention, il a le ballon. La frappe sans danger. Drôle d'idée hein, de tenter sa chance dans cette position. Benzema. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. En profondeur, oui, bien vu. La passe en profondeur. Thibaut Courtois qui fait l'arrêt. Pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Adrien Rabiot. Eh bien, le premier but dans cette finale. Nous l'avons eu. Et cette finale qui est belle et bien lancée maintenant. Ah ouais, le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. La reprise de la tête qui ne laisse aucune chance. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il continue sa progression. Ah, c'est une faute, bien sûr, logiquement signalée par l'arbitre. Ouais, l'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match. Une manière également de garder le contrôle hein, sur cette partie. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Cross. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Toni Kroos. Ah, c'est bon ce qu'ils font les joueurs du Real, c'est précis, c'est fluide. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. L'arbitre qui arrête le jeu. Qui va donc pouvoir reprendre avec une balle à terre.
Federico Chiesa. Mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer. Rabiot. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Benzema, le Real Madrid qui s'approche du but. Oui, le centre peut-être. Arthur. Rabiot. Il avance encore. Ça va être un renvoi aux 5m50. Nacho Fernandez, David Ceballos. Ballon rendu à l'adversaire. La voie est libre. Oh, c'est dangereux. Ouais, parfait, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. Toni Kroos. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. S'il avance balle au pied. Et l'occasion. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real. C'est précis, c'est fluide. Il frappe. Facile, aucun problème hein, pour le goal. Ballon perdu par Alexandro. Qui sort, ce sera une touche. Ouais, il a le temps de centrer. Oh, il est passé. Oh, il a volé. Le dégagement pour éloigner le danger. Toni Kroos. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Benzema. Ah, bon ballon pour Eden Hazard. Je ne sais pas trop ce que c'était que ça. Il nous expliquera peut-être. Le ballon récupéré sur cette intervention. Lucas Vázquez. Toni Kroos. Benzema. Vinicius Junior. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Cuadrado. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Dani Ceballos. Benzema.
Vinicius Junior. Ah oui, le bon tacle. Federico Chiesa. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Peut-être l'égalisation. Réflexe. L'art réflexe de Sechti, magnifique. Corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Toni Kroos. Attention. Oh, elle est loin d'être jouée cette finale. Cette équipe qui a trouvé les ressources pour égaliser. Et tous les rêves qui sont à nouveau permis. On voit cette séquence qui amène ce but, ce dégagement raté. C'est clair qu'on peut faire des cadeaux comme ça. La punition est immédiate. Et voilà donc à égalité un but partout. Peut-être une bonne occasion. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Ce sera une touche à suivre. Allez, faut centrer vite. Piqué dans l'axe. Finalement, ça ne donnera rien. Lucas Vasquez. Eden Hazard. Dani Ceballos. Vinicius Junior. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Oh, il était temps d'intervenir là. Ballon en profondeur. Il porte le ballon. Dans la surface, attention. Ça manque de subtilité cette frappe. Ce sera pas mal pour les bêtisiers, peut-être. Un ballon qui est perdu par Dani Ceballos. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. Arthur. Ouais, le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Oh. Et ouais, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. David Alaba. Dani Ceballos. David Alaba. Trois minutes de temps additionnel au minimum. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Allez, le centre de Karim Benzema. Mauvais dégagement là, attention. Adrien Rabiot. Chiesa. Ouais, il a dribblé. Oh, le réflexe. Le réflexe de Thibaut Courtois. Quel arrêt. Dani Ceballos. Avec Kroos. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée hein, au niveau du score. Un partout.
Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Eden Hazard. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Non, non, ça ne passe pas. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Ah oui, le tir. Et la bonne intervention de Chesney. Adrien Rabiot. Mauvais tac. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Ah, bien joué Courtois. Il fallait être fort là dans ce 1 contre 1. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Alaba qui dégage ce ballon. Ça, c'est très bien défendu. Vinicius Junior. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Il continue sa progression. Attention, il peut centrer là. Toni Kroos. Karim Benzema. On est dans une phase de conservation du ball en attendant l'ouverture. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Et à la bonne sortie du gardien. Vous voyez les statistiques. Un match très équilibré en ce qui concerne la possession, le nombre d'occasions. Je pense qu'on verra d'autres buts. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Toni Kroos. C'est repris par Alaba. Lucas Vázquez. Toni Kroos. Eden Hazard. Le Real Madrid qui s'approche du but. Un bon conduit de balle. Le contre qui est lancé. Et la bonne intervention de Chesney. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Federico Chiesa. Ah, il perd ce ballon. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Eden Hazard. Ah non, la passe en profondeur qui est interceptée. Il était bien placé, le défenseur. Arthur. Ça sort en touche. Le numéro 8, Toni Kroos, remplacé par le numéro 14, Casemiro.
Paulo Dybala. Dybala. Ballon bien capté par Courtois. Dybala. On assiste à vraiment un regroupement défensif, hein. C'est très net. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Dani Ceballos. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Eden Hazard. Il progresse vers le but. Hazard. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Le gardien qui repousse, attention. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. Il est bien placé, il peut centrer. Ah, c'est bien défendu. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Oh, il est passé. Et la voilà, la frappe. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Entrée. Adrien Rabiot. On a bien défendu. Dani Ceballos. Oh, bien vu ça. Pressing qui paye dans le camp adverse. Benzema. Et cette équipe qui vire donc en tête dans cette finale. Ah, tout le monde a compris l'importance de ce but. On voit cette frappe fatale, magnifique. On va l'admirer à nouveau sur son ralenti. Déclenché en une fraction de seconde. Exécuté à la perfection. But d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Adrien Rabiot. Adrien Rabiot. Il prend sa chance. Federico Chiesa. Ah, et bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. L'équipe qui court toujours après ce score, alors que le match va bientôt s'achever. Il faudrait marquer, et vite. Il faut qu'il centre là. Ah, et la bonne interception là pour couper cette attaque. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. C'est bon, hein, ce qu'ils font les joueurs du Real, c'est précis, c'est fluide. Quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Attention à cette équipe qui compterait deux buts d'avance, hein, si elle venait à marquer sur ce corner. Un peu de coaching pour l'entraîneur.
Le corner en direction du point de pénalty. Et le centre bien négocié par le gardien. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. La voie est libre. Allez, sans doute la dernière opportunité, il ne faut pas la rater. Une bonne maîtrise sur ce tacle. Touche à suivre. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Il cherche des solutions là. Il choisit la frappe. Toi, attention, c'est pas terminé. Là, elle n'était pas terminée cette finale. Elle n'était pas terminée. Jusqu'au dernier coup de sifflet, il y avait de l'espoir. Et la ténacité de cette équipe qui a été récompensée. Allez, le ralenti avec cette première intervention. Mais la défense qui ne suit pas, qui est trop statique. Un beau travail de cette équipe qui n'a pas compté ses efforts et qui a été récompensé, qui a fini par revenir au score. Une mauvaise intervention là. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Le joue à deux. Et de bons coups d'œil. Mauvais dégagement, mal fait. Paulo Dybala. Avec Paulo Dybala. Et ils attaquent et il peut faire peut-être basculer le match sur ce coup. Continue sa progression, donne un retrait, la bonne anticipation de Courtois. Ah, il protège son ballon. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Casemiro. Mais l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Federico Chiesa. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Paulo Dybala. Ouais, c'est pour le gardien. Federico Valverde. Dani Ceballos. Alors que l'arbitre siffle la fin de cette seconde période, c'est toujours aussi indécis. On va jouer une prolongation. L'arrêt réflexe de Sechti, magnifique. La première prolongation, c'est parti. Ça va se jouer au physique, hein, au mental également. Les deux équipes sont fatiguées. Ballon bien négocié par le gardien. Merci. Federico Valverde. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action.
après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Il s'infiltre, attention. Oh, il est passé. Karim Benzema. Oh, la parade à bout portant. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ce ballon qui est dégagé. Frappe. Oh, ça passe pas loin du tout. Reste pas cadré. Voilà, Adrien Rabiot. Alexandrou. Federico Chiesa. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. À la surface, il y a du monde. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Allez, il faut le mettre celui-là. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Et c'est encore un corner, hein, ça pousse. Hein. Faire combiner pour jouer ce corner. Rabiot, ballon bien capté par Courtois. Federico Valverde avec Casemiro. Real Madrid qui s'approche du but. Oui, il y a des options dans la surface. Gardien qui s'en sort bien. Il est redescendu pour jouer ce ballon, Karim Benzema, il a raison. Il s'infiltre, qui repousse, ballon toujours en jeu. Alexandro, Adrien Rabiot. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Et de nouveau un corner. Tente ce corner. Ils sont dans la surface. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Il y aura 2 minutes de temps. Oh, personne pour l'arrêter. Attention. Là, il a bien lu ce centre, le gardien. Vinicius Junior. Il avait vu venir. Oh, le bon coup d'œil. Oh oui, la bonne option. Voilà. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Oh,
chaque fois le ralenti, cette erreur de placement dans les buts évidente. Étrange quand même. Et tout va se jouer donc dans la deuxième période de la prolongation. Le ballon qui file jusqu'au gardien. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Ouais, c'est une faute, hein. L'avantage n'a rien donné. On revient en coup franc. Alexandro continue sa progression. Voilà, magnifique reprise de volée qui méritait mieux mais qui passe à côté. Il prend sa chance. Bon, magnifique arrêt. Et arrêt important, hein, parce que si le but avait été marqué, il aurait été impossible de revenir. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty, hein, sur ce corner. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Alors, le ballon qui est dégagé. Le duel pour la récupération du ballon. Lucas Vázquez. Attention à cette occasion, l'une des dernières chances pour égaliser. Oui, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Il reste 8 minutes à jouer dans ce match. Oh, il a du soutien, ça, ça peut être dangereux. Paulo Dybala. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Corner qui est joué en deux temps. Il choisit de repiquer au centre. Le Portois qui, bien sûr, ne se laissera pas surprendre. Les 5 dernières minutes de ces prolongations. Il poursuit son action. Bonne protection du ballon. Karim Benzema. Pour Casemiro. Federico Valverde. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Il avance balle au pied.
c'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Excellente intervention. Il résiste, bonne protection de balle. Et ce ballon qui est récupéré. Ah, il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Il est venu le fixer et s'en débarrasser avec ce dribble. Il va pouvoir centrer. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Le joueur du Real qui commet une faute. Il va chercher un partenaire loin devant. Ah, c'est bien défendu. C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux. Toujours ces images, hein, pleines d'émotion. Cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe, c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Hein. Là, les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité. Toni Kroos. Attention.